Très bien. Ah, il y a des dresseurs sur la route. Je suppose que je vais devoir les combattre. Genre cet enfant. Allez, on se bat. Quelque chose me dit qu'effectivement, je vais devoir... Attends, si je le passe à côté. Ah non, je peux complètement l'éviter. Bon, allons-y. Hein. Ouh. Quand on est dresseur, on se salue avant de se défier en duel. Il a littéralement 3 ans. Ça, c'est vraiment une musique très Pokémon-esque, ça. Merde, du coup, je vais peut-être pas le tuer. Just kidding! Ah, putain! Petit écrasse fosse, le. Voilà. À l'oiseau, apprend vive attaque. Dimitri, le gamin! Les Pokémon sont trop forts. Réel, Harry. Vas-y, voyons. Y'a pas un truc? Ah non, j'ai cru voir quelque chose, mais en fait, non. Oh, des psycho-quacks! OMG, le psycho-quack! Ouf. Oh, la ligne de basse. Petit slapping, là. J'ai l'impression que j'ai pas une seule musique de combat identique depuis le départ. Bon. J'ai pas ça. Ah non, je l'ai pas, lui. Oh, le Azuril. Oh, je le vois, l'autre, avec sa bouée derrière, là. Putain, slap that bass, quoi. Slap that ass. Slap that ass. Slap that ass. Ça n'a absolument aucun rapport. Je veux le truc avec la bouée là-bas. Les cochons, j'ai déjà. Non ! Ouh là là, c'est dangereux. Hein. Oh, le musté boué.
Fabrice Eboué. Je l'avais pas déjà appelé comme ça dans mon ancien jeu. Si c'est pas le cas, je le rappelle comme ça, effectivement. Mais j'aurais jamais la place. Je crois que je l'avais juste appelé Fab, du coup. Ah, c'est pour ça que je l'avais appelé Fab. Non, si je l'avais pris... Je l'avais appelé Fabrice. Ah bah, on va le rappeler Fabrice. C'est vrai que c'est vraiment... C'est Fabrice, quoi. Si, c'est Fabrice. Eh oui, cruel, c'est pas mal, je crois. Oublie rugissement, c'est bien de la doms. Voilà, c'est bien. Putain, le retour de Fabrice, quoi. Il fait trop... Non, j'ai oublié de l'amener. Putain, j'ai appuyé trop vite. Faut absolument que j'aille renommer. J'espère qu'on peut renommer dans la... dès la première ville, là. Une fois que je serai arrivé à Porto, là... La ville ne s'appelle pas comme ça. Ah, attends. Ah, mais je peux aller, genre... C'est un open world, en fait. Oh, la dinguerie du siècle, hein. Ah, je peux renommer dès maintenant ? Hein ? Ah, non. Non, 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 je fais pas comme ça, moi. Comment je fais pour le renommer ? Ah, c'est résumé ! Ah non ? Quoi ? Mais où est-ce qu'il y a résumé ? Je vois même pas résumé, les amis. Je peux pas encore ! Qu'est-ce que tu résumes du Pokémon, mais il y a... Ah, résumé du Pokémon... Ah, pardon. Bah, je peux pas. Ah, si. Peut-être. Non. X ensuite. J'appuie sur X en boucle, là. Non, je peux pas, hein. Il faut avancer dans l'aventure encore 15 minutes. Ah, ok, ok. Oh, je peux pas encore. Je peux pas encore, je peux pas encore. Non ! Ah non, je me suis trompé ! Pardon ! Tu peux, il le faut dans l'équipe. Ah. Il faut appuyer 200 fois sur X. Oh non ! Non, non, je relâche pas, non. Vous êtes fous. Vent féerique. Ça fait... Qu'est-ce que ça fait, vent féerique ? Qui cingle la cible ? C'est-à-dire quoi, qui cingle la cible ? En tous les cas, je jamais utiliserai Mimikyu. Du coup, alors, attends. Boîte PC. Et là, je suis là. Et ensuite, résumé du Pokémon. Et ensuite, rien. Bah non, mais je peux rien faire. Faut le mettre dans son équipe. Ah ! Bah non. Puis L. Mais j'appuie sur L. Deuxième page est L. Je vous promets que vous mentez, hein. Vous faites juste de la merde, là. Allez. On fera ça plus tard, hein. Allez, salut, hein. Il faut sortir du PC. Ok, je vous fais confiance, hein, vraiment. Heureusement que vous êtes là, vraiment.
Ah, je vous fais confiance vraiment là. Voilà. Ah putain. Là, je peux le faire depuis ici. Ah putain, quelle galère. C'est bizarre que je puisse pas le faire depuis le PC, c'est absurde. Merci, voilà Fabrice. Très bien. Avance 15 minutes qu'il disait. Ouais, j'avoue. Dans lequel j'ai pas renommé déjà ? Lui, non ? Ouais, alors je veux pas l'appeler Trump, hein. Comment je l'appelle ? Merde. Merdia. Merdia, ça me plaît bien. Vraiment bien. En plus, ça dénonce et tout. Moi, j'aime trop. C'est vraiment merdia, quoi. Quoi ? Comment ça ? Vas-y, c'est bon. Journal up. Si Merdia ne passe pas, j'espère que Journal up passe en tout cas. Let's go. Let's go, c'est passé. Merci à tous. Alors attends, j'ai quel type dans mon équipe là? Mais j'ai plein de Pokémon normaux et j'ai un électrique. J'ai quoi là? Insecte au sol. Fée. Plante. Il me faudrait quand même un plante, ça ferait plaisir. Et sol peut-être. J'aime bien Gugu Gagak, on va garder Gugu Gagak un petit peu. J'ai hâte de voir son évolution, je suis sûr que c'est God Tier. Oh regardez, c'est Ratatak. Ah non mais je l'ai déjà lui, c'est Salamèche. Bravo à tous. Ouais. Ouh là là, ça a l'air d'être important ça. Ténacité. Et je peux aller à 10 000 km, non ? Pas un truc là-haut là ? C'est quoi ce truc là ? Bonjour. Une pièce de mordu d'or. Ah bon, c'est... C'est open world avec des murs. Open world du coup. Météor. Je peux pas... Si. I can't. But I can. Mais y'a que des Gugu Gagak. Bon, c'est de la merde, hein. Je vais me casser. Hein. Le jeu est vraiment moche ? Non, regarde. J'aime bien, ils ont mis vraiment zéro brouillard, tu sais, pour un peu cacher le truc. Ils se sont dit, vous allez tout voir. Vous allez vraiment tout voir.
Non, par contre, il y a un nombre d'objets à ramasser. Hallucinant, quoi. J'ai tapé ça. J'arrive même pas à voir. Oui, c'est ça. C'est Azuril. Là, il y a des Fabrice. Il faudrait que j'installe les shaders. C'est des Pokémon, ça? Eh. Non! Baby comeback! Oh, Magikarp! Non. Oh non, merde! Hop là! Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable! Wow, c'est... T'es pas obligé de mixer les deux musiques, non? Ah non, ça rend bien en fait. Oh, le Gloriole. Il est incroyable. Dommage, il est haut. Sinon, je l'aurais mis dans l'équipe. Je suis sûr qu'il est haut. Il est... Enfin, c'est... il est le type haut. Oui, il est haut. Je mets bigardise. Avec des majuscules, s'il vous plaît. Ils vont l'accepter, ça, j'espère. Ah! Ils l'ont rentré dans leur base de données. Voilà, c'est lui. C'est un meilleur nom. Oh! Comment je fais déjà? Non. Mais je... Oui, lui. Le Mouettos, quoi. J'avais appelé Goélis Lucet, mais ça sera le Mouettos, quoi. Ah, c'est le Mouettos. Le Mouettos, non pas le Mouettox. Ouais, vas-y. Allez, go, 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 viens par là de toi. Viens par là de toi. Il me faut la Master Ball. J'avoue, pourquoi je l'ai pas. Hop là, c'est gagné. Le geste Pokémon, c'est gagné. J'aurais pas besoin de... Je regarderai juste les noms.
Voilà. Ah, il y a un H. Dommage. Bah, en vrai, c'est pas vraiment lui, donc c'est bon, c'est gagné. Pa-pa-pa-pa. Direct dans la team. Bah, j'ai déjà un Pokémon O, donc c'est bon. Même Léviator, ça serait Osef. Je sais même plus où je dois aller. Je dois aller au château, c'est ça? Mais c'est où le chemin? Ah, c'est là-bas. Ah non, faut que j'aille à la petite ville. Attends, je vais aller voir la cascade, ça a l'air magnifique. Attends, j'y vais. C'est quoi ça? Ah oui, c'est les Magikarp. Attends, je vais prendre ça. Oh, lui là! Lui là! Allô, non! Reviens. Baby! Oui, j'ai vu l'objet à la cascade, oui, vous inquiétez pas. Non, mais reviens! Mais je l'ai pas, lui! Ah, il faut que je lui jette une balle, c'est vrai. Yellow Croc. Oula. Oula, Coiffeur est dans la sauce. Hop là, Pokémon Mordillage. Plutôt quelle horreur, j'ai pas raison. Ah putain, j'avoue. Non. Vous trouvez vraiment qu'il ressemble à Titeuf? Franchement, je trouve pas du tout. Du coup, ce sera Titeuf, bien sûr. Moi, je trouve vraiment pas qu'il lui ressemble, ouais. C'est très très bien vu, hein. Mais lui, je l'ai, la merdouille, là. Et ça, je l'ai, ça. Ah non, j'ai pas ça, la petite boule, là. Le tout doudou. Oh, ça va, c'est bon. Voilà, tout doudou. Quelqu'un qui a dit le Amogus. Mais il lui ressemble vraiment pas. Moins ça ressemble, plus ça me va globalement, ouais. Non mais j'en ai trop des Pokémon là, dès le départ là. J'en ai 1000. Et ça, j'ai cette merde là. J'ai ça. Non, j'ai pas ça. Hein. Viens par là toi. Axolotl. Il est où mon Pokémon? Oh, il est noyé! Il est en full noyade! Non, le tue pas. Voilà, c'est bon. Ouais, c'est Patrick Beau, hein. Bah, ce sera juste Patrick, hein. Je crois que ça sera juste Patrick, hein. Ça sera même Patrice.
vraiment là, là on s'éloigne vraiment du sujet. Ah, c'est Patrice. Littéralement mon daron, pas moi. Not me. Ténacité, mais je l'ai déjà. Il n'y en a pas un petit qui traînouille là. J'ai soigné mon Pokémon. Moi non. Voilà. C'est bon, j'ai soigné mon Pokémon. Si tu me bats, je t'apprendrai un truc super. Il va me dire qu'il faut soigner ses Pokémon pour qu'ils soient en bonne santé. 100%. Félicie l'étudiante. Gougou gag gag. Elle est full gilet jaune là en plus. La bogarre. Je me suis bien bogarré. J'ai perdu, pourtant mon Pokémon avait tous ses PV. C'est vrai ça? Et du coup, c'est quoi ce que tu veux m'apprendre? Eh ben, tu sais quoi? Dans un centre Pokémon, ils soignent les Pokémon gratuitement. Hein, tu le savais déjà? Bah ouais. Et la bouffe, là. Pa-pa-pa-pa! Give it to me. Ok. On arrive à Palo Alto. Oh, t'es qui, toi? Wow! Patachio! C'est Lilou. Enfin, pas mal, en tout cas. Hop là. Au moins je retiendrai, c'est important. Alors, bah... Il y a un truc, il a disparu, OMG. On est à Plateau Real. Si. Eh, hey, phare, par ici. Hop là. Merci Artaros pour les 5 subs offerts à la communauté. Merci Mister Jassen pour les 14 mois. Fun Your Mom, le Prime, Argentic Sunflower, les 15 mois, Sol Algon, les 23 mois. Jeep 04, les 6 mois. Deduf, les 9 mois. Exio, les 28 mois. Ça, c'est un centre Pokémon. Tu peux y faire un tas de choses pour tes Pokémon. Bonjour, vous pouvez lui expliquer comment ça marche ici? Bien entendu. Tout d'abord, bienvenue au centre Pokémon. Notre rôle est de soigner les Pokémon de tous nos visiteurs. Juste à côté de moi, se trouve la boutique Pokémon. Vous pouvez y acheter des potions ou encore des Pokéballs pour capturer des Pokémon. La boutique accepte aussi des points de ligue ou PL comme moyen de paiement. Un PL est égal à un Pokédon. L'appareil que vous voyez ici est ce qu'on appelle une machine à CT. Comme son nom l'indique, elle sert à créer des CT ou capsules techniques. Ce sont des objets qui permettent à vos Pokémon d'apprendre de nouvelles capacités. Mais pour l'utiliser, vous aurez besoin de PL et d'échantillons que les Pokémon abandonnent derrière eux en combat. Les PL sont super utiles. Tu peux les utiliser dans des boutiques ou dans des machines à CT. Tiens, je t'en donne un peu, j'en ai plein.
Et voilà aussi quelques échantillons. Le Club Union... c'est qui parle? On va dire que c'est elle. Le Club Union vous permet quant à lui de vous connecter à d'autres dresseurs pour recruter des compagnons d'aventure. Bref, si vous avez besoin de quoi que ce soit, les centres Pokémon sont là pour vous aider. Merci pour ces explications. T'as bien compris? En cas de difficulté, le centre Pokémon est là pour t'aider. N'oublie pas, c'est un truc qu'on nous demande en interro. Et quand tu commenceras à t'habituer à tes Pokémon, n'oublie pas cette phrase. Bouton R en avant. En gros, en appuyant sur le bouton R, tu peux demander aux Pokémon qui te suivent d'aller ramasser les objets tombés au sol. Bien d'aller se battre. Ah bon? Ah oui. Ah bon? Ah ouais? Pas se brûler tout seul, ouais. C'est le Pokémon taf lui soigneux, oui. Comment ça combat? Il se battra en combat auto, sans qu'il soit nécessaire de lui donner d'ordre. Vous pouvez donc continuer à explorer les aventures tout en gardant votre partenaire à l'œil. L'issue d'un combat auto dépendra de la force respective des Pokémon et de leur type. Ah bon? Et ça fait monter en niveau, ça? Ah, j'XP moins. En vrai, je pense que c'est pas trop un truc que je vais utiliser. Ok. Bonjour. Oui. Putain, mais du coup, centre Pokémon en extérieur, ça fait moins... Regardez les mouvements des gens derrière, regardez. Oh là là! Ça fait moins cosy. Oui, des conseils, d'accord. Au personnel. Personnel de merde, qui l'a foutu dans la merde. Qu'est-ce que je peux t'acheter, bruh? Rien qui m'intéresse. Ah si, peut-être des Pokéballs, j'en ai plus beaucoup. Autant apprendre un peu. J'en ai... Attends, qu'est-ce que j'ai? Ok. Je vais en prendre 20. Peut-être trop 20. Avec mes amis, nous donnons toujours rendez-vous au centre Pokémon. C'est idéal. Je vois qu'ils sont tous venus, en plus, c'est cool. Elle est venue avec tous ses amis. Elle a donné rendez-vous à ses amis au centre Pokémon, puis bah, ils sont venus, quoi. C'est cool, hein. Oula, mais y a du PNJ, là. Ici, c'est Plateau Réal. Une ville paisible où le bonheur nous est servi sur un plateau. Ah non, mais je m'en fous. Je veux parler au PNJ. C'est l'isolement des personnes âgées, tout à fait. Ça faune de la bouche. Bienvenue, vous vous laisserez bien tenter par une crème glacée. Oula, c'est super cher, sa mère. Les auras gustatives. Aura raid, combat, aura œuf. Comment ça, c'est quoi cette histoire, là? Glace à la sauce teriyaki. Mais non, je veux pas parler aux oiseaux, je veux parler aux gens. J'ai enfin reçu l'antipara que j'avais commandé. Je vais pouvoir soigner mon Pokémon de sa paralysie. Le Pokémon en tête d'équipe est le premier à être envoyé au combat. Voilà, tu sais tout. Putain, je sais tout. C'est ouf. Les gens, on peut pas rentrer dans les maisons. Oh là là. Putain, en plus, t'as ce vieux zoom, là. Ah, vu. Utile. Vous voyez? Trouver des qualités là où il y a des défauts. Ah, en jugé par ton uniforme, tu dois être étudiant. Écoute donc mon bon conseil. Tu peux transporter jusqu'à 6 Pokémon. Alors n'hésite pas à remplir ton équipe au maximum. Donc jusqu'à 6 finalement. Prends un selfie. Ça rend trop bien avec ce filtre. J'avoue. Très actuel. Comme on habite à Plateau Réal, on ne peut pas loger au campus. Du coup, on doit se taper tout le trajet à pied. Avec la côte, là, je te raconte pas la fatigue. Eh ben moi, à l'école, j'apprends plein de trucs sur les Pokémon d'abord.
Regardez comment elle marche, la petite à côté là. C'est tout saccadé là, elle est en 2 FPS là. Jusqu'à 4 capacités, j'ai appris qu'il pouvait connaître jusqu'à 4 capacités, tu le savais pas ça, hein? Si, si. Et là, attends. Ah non, elle est toujours un peu saccadée, mais moins que quand j'étais en boîte de dialogue. Attends. Merde. Attends. Non, ta gueule, la vioque! What the fuck? Faut appeler la police tout de suite? Allô? Bizarre. Attends. Je prends juste ces merdes là. Oh, allez! Je vais péter un plombac, cela! Alors toi, toi, je te veux. Ouais, je veux pas le tuer, hein. Le Tarsal. Hop là, il y a Salamèche qui passe niveau 8. Bravo à lui. Il va prendre chargeur. Quoi, chargeur? Charfeur. Oh. Ouah, vas-y. Oui, je veux lui donner un surnom. Comment on l'appelle? À quoi il ressemble? Je vois, il est bizarre. Yann Barthez, non. Étoile, il est pas assez sombre. Tefal. Il s'appelle Tarsal. Allez, c'est à chier. Je garde. Vas-y, c'est vraiment à chier. Bien joué à tous. C'est bien à chier. Vraiment, probablement le pire nom que j'ai donné depuis le départ et j'ai nommé un Pokémon Gougou Gagak. Tout ça, j'ai, hein. Ouais. Mais attends, j'irai voir ça après. Alors, plateau réel. Mais je peux rentrer dans aucune maison, en fait. Il y a 4 baraques et je peux pas rentrer dedans, c'est énorme. Regardez, regardez, regardez. Sur animation. Wouah. Si je me rapproche, je pense que c'est mieux, oui. Et encore, je sais pas quoi faire. Et bah, moi non plus en vrai. Putain, on peut pas rentrer dans les maisons. Tu te rends à l'école? Surtout, pense bien à sauvegarder ta progression, c'est important. Et c'est par ici l'école? Vers Messaledo, oui. Oh. Ah ouais, ça vient d'apparaître. Et c'est toujours pas très beau. Hein. Je suis désolé, hein, je radote un peu et tout le monde doit le dire, mais c'est abusé quand même. Quoi. C'est la TDM, et m'insulte pas, s'il te plaît. Gwenaël, l'étudiante veut se battre. BZH. Dans les feuillages là. Salut. C'était énorme. Aïe aïe, pourtant c'est pas les seuls sur les mandales. Il y avait ce bruit là. Oula.
Je veux pas combattre ces merdouilles. Non, 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 non. Mais je... Ah oui, ouais. Oh. Non, j'ai déjà. J'ai déjà tous les Pokémon du jeu. Oh. C'est vraiment un joli trésor ici. Total soin. Griffe acier. Rappel. Le château, c'est vraiment, je trouve, le truc le plus abusé. Regardez! C'est un truc de fou, je suis désolé. Hein. Moi, je suis pas très regardant là-dessus, je m'en bats les couilles, mais là, c'est vrai que c'est vraiment abusé. Moi, je suis vraiment pas... Je suis pas difficile, hein. J'ai pas ça. Non, j'ai pas ça. La triple boule! Manzai. Oula, d'accord. Ah non, mais c'est vrai que lui, il est pierre. Mais je veux pas lui balancer pistolet à eau, ça va le tuer. Est-ce que je peux pas le cap dès maintenant? Lui, il fait semblant, lui. Nice. Poudre toxique pour hélicoptère. Oui, allez. Là, tu vas oublier trempette. Belle vue en dessous. Ah ouais, j'avoue, là, en dessous, c'est pas mal. Là, j'avais même pas fait gaffe, dites-vous. Pas mal, hein. Parasport. Oh là là, encore un truc à apprendre. Bah, je sais pas. Bon, vent féerique, ça me tente pas trop, hein. Les backrooms en dessous, là. Mais putain, mais il veut apprendre combien de trucs, là? Mais je sais pas, moi, autant que des os, mais tout le reste, poudre dodo. Bah, j'ai oublié charge, hein, du coup. Hein. Bon, alors lui, c'est quoi? Pitié. J'avoue, pitié, c'est bien. Parce que là, j'en pouvais plus. Hein. Pitié, monsieur. Merci le Trian pour les 15 mois. Luciole, les 25 mois. Aulora, les 25 mois. Sugarette, les 26 mois. Florent M, les 7 mois. Chinook, le Prime. Merci beaucoup. Et j'ai pas l'écureuil, là. Si, je l'ai, l'écureuil. Non, je l'ai pas l'écureuil, là. Non, je l'ai pas, lui. Rongourmand. Ah non, mais je l'ai vu, mais je l'ai pas attrapé. Oui, c'est ma daronne qui l'a, c'est ça. De basse, là, quand même, c'est un banger. Hein. Hop là. Gobber. Gobber, c'est pas mal. Hein.
Gobber, c'est pas mal, hein. Hop là. J'aime bien l'animation du Pokédex, par contre. J'aime bien la gueule du Pokédex et tout. Mais c'est un peu tout, quoi. Ah, ok. Je l'ai pas, ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Gribourgne. Oh, la gueule du machin, c'est incroyable. Incroyable. Ah, l'oiseau a pris Flamèche, bravo à lui. Oh, putain, il est incroyable sa tête. Il est incroyable. Je vais l'appeler comme ça, incroyable. Il est magnifique, hein. Il est de quelle génération ce Pokémon-là? Il est incroyable. De celle-ci. Ah, ok. Ah, je l'avais jamais vu. Je me rends compte que je n'avais pas pris ça. Incroyable. J'ai tout ici, oui. Par contre, vraiment, un début de jeu où t'attrapes beaucoup, beaucoup de Pokémon. Hein. Différent, je veux dire. Oh là là. Oh, la gueule du château. OMG. Oh. Même de près, hein. Un dresseur bien préparé en vaut deux. Alors faire des achats à la boutique Pokémon est toujours une bonne idée. Qui s'y connaît en combat? Moi. Salut. Salutations, je représente la ligue Pokémon. Je sens que les combats, ça vous connaît. Si vous parvenez à vaincre 4 dresseurs ici dans la zone sud numéro 1, vous aurez droit à une splendide récompense. Vous avez réussi à vaincre 3 dresseurs dans la zone sud numéro 1. Une fois que vous aurez réussi à battre 4 dresseurs au total, vous aurez droit à une splendide récompense! Très bien, j'en ai vu un autre là-bas. Voilà, cette personne-là. Viens par là, toi. Je suis venu à Maïsaledo pour faire des livraisons. Mais ça te dit un petit combat vite fait? Un quickie? Allez, un petit quickie avec monsieur. Avec Philibert le livreur. Il va lui faire bouffer des baies. C'est fou, cette histoire. Pas mal. Oh non. Bien joué-je. Et une victoire pour toi. Oh, 552. C'est bien. Enfin, je crois que j'en ai vu un autre sur le chemin. En fait, sur le chemin, là, il y en a plein. Il y en a plein. J'en ai vu un autre. Là-bas, lui. Je le vois au loin, là-bas. Je vois R. Attends. Tu vas à l'école?
Ah mais je l'ai pas fait lui non plus. Hihi, j'ai deux Pokémon. Bon, c'est super. Eh bien, moi, j'ai deux Pokémon sur moi. C'est trop bien, hein? Banger, j'admets. Guy l'étudiant. Oh, regardez le sol! Je veux revoir. Ah, merde. Je veux revoir. Deuxième Pokémon Rayquaza, j'avoue. Non, je veux pas changer. Malos. Pas mal, Malos. Bien joué-je. Hop là, Gugaga qui passe niveau 9. Mais, et mes deux Pokémon? Frère, ils étaient éclatés. Putain, mais... Tu vas à l'école? Eh, petit, ça te dirait un combat de Pokémon avant d'aller en cours? Étienne le nettoyeur. La texture des vêtements est pas mal par contre. Pour de vrai. J'ai remarqué ça tout à l'heure sur comment elle s'appelle ma pote là. La texture des fringues est pas mal dans le jeu. On prend ce qu'on a. Hein. Oh non, coinfeur somnol. Ouais, ok. Menzi. Allez, travaille bien. Oui. Je vais faire de mon mieux. Oh, y'a Pikachu! Ah oui, bah oui, bien sûr. Ah, oh, c'est Pikachu. Putain, trop bien. Hop là. Bien. Ça me plaise. Merci The Witcher 14 pour les 5 mois. Nagaseria, merci pour le raid. Faut que je réponde à ton message. Merci GG64 fan pour les 8 mois. Snowway les 11 mois. Fritman le Prime. Le Triant les 15 mois. Paul les 3 mois. Merci beaucoup. Bien. Pardon. Moi je suis vraiment désolé le chat. Vraiment. Pardon. Ok. C'est quoi ça? Une baie cerise. Merci Croûte de Campagne pour les 9 mois. Merci pour le train de la hype les gens. On tente le niveau 60 aujourd'hui, on se dit ça, ok? C'est parti. Petite musique pour vous encourager messieurs dames. Et toi, une question, qu'est-ce qui se passe quand un Pokémon perd tous ses PV? Je crois que la... tu vas très vite le savoir. Putain, les stocks. Théa, la montagnarde. Wow. Bah, je sais pas. Eh !
Hop là! Hop là! Merci, je suis en LGR pour les 31 mois. Merci beaucoup. Oh, il va Aqua Jet, c'est une dinguerie, ça. Aqua Jet. Oui. Tu vas oublier rengorgement. Merci. Voilà. Il a oublié rang... Mais ça va ? La réponse, c'est exactement ce que tu viens de voir. Il perd toute force de se battre. Tout à fait. Oula. Oh, c'est beau, ça. Oh, regardez. Oh, comme c'est joli. Putain, la vache. C'est beau. C'est beau, vraiment joli. Est-ce que je peux sortir de l'autre côté là-bas? J'espère. Sinon, j'arrête ma chaîne. Je crois que je vais arrêter ma chaîne. J'arrête ma chaîne. Un jour. Est-ce que je peux escalader? C'est très énorme. Hélas, non. Putain! Vas-y, je suis deg. Vraiment sad. Non, je vais pas sauter dans le canal, non. Merci Jujulab pour le sub offert à la communauté. Merci. Oh, allez là, pitié. C'est vraiment le Breath of the Wild de Pokémon. Regardez la tour là-bas. Regardez le château là-bas là, avec la Pokéball là, comme c'est joli. Non! Oh non, il va tuer moi. Il va tuer Coinfeur. Il a 7 PV. Vite. Le tue pas. Hein. Voilà, voix enjôleuse, c'est bien. Prends la fuite. Bah non, ça fait monter de niveau. Prendre la fuite face à un cochon. Non, merci. Mais fuis, bah non. Tu as pas de potion, pourquoi prendre une potion alors qu'il y a ça ici? Bonjour. Voilà. Vous savez, mais... Comment ça? Oh! Non mais je veux pas... Pas toi, comment on fait pour prendre un selfie? Ah, Y. Non ! C'est de la merde !
Comment je fais pour sortir mon Pokémon? Il faut que je le fasse avant, c'est ça? Voilà. La dinguerie. Oui, j'ai 7 dresseurs, j'en ai fait 3 tout à l'heure. Splendide récompense. Cage éclair. Oh. Ouais, bon. Oui, bon. Bon, je vais à l'école, hein. Vas-y, cinématique. Bonne chance. Ah, merci RTFR pour le raid! Merci RTFR! C'était bien Laserdisc! Je suis sûr que c'était super en tout cas. Vous avez certainement passé une meilleure soirée que moi. Sur le dernier jeu Pokémon, messieurs, dames. Merci Seiyé TV pour les 3 mois, merci beaucoup. Très bien. Et fort! Merci Maïstel pour les 29 mois. Les Pokémon ont dû bien progresser après avoir affronté tous ces dresseurs. Si on faisait un combat pour mesurer leur progrès? D'accord! Super! Je suis trop contente d'avoir un ami comme toi. Allez, Fur! Faisons ce combat une belle expérience! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Hey, la texture des vêtements est pas mal. Et bah so long, hein. Regardez la texture des vêtements là, on le voit. C'est un peu plus réussi que le reste. À chier! Ouais, c'est des vêtements en balles de golf, quoi, effectivement. Elle a que ça? J'ai pas fait gaffe. Il y a 60 boules qui va prendre assurance. Pomme? Non, je garde. Ah, si, play 24 pour les 17 mois. Merde, je lis aucune de ses répliques. Après, elle doit se dire, waouh, quel combat de fou, là. J'adore me battre contre toi, Fur. Mais maintenant, je vais sortir le grand jeu. Wow. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. Il est devenu une ampoule! C'est une ampoule! C'est incroyable! Wouah! Quand un Pokémon se tétracristallise, les capacités de son type tétracristal, j'y parle trop vite. Oh non, je vais prendre super cher. Solang! Non, c'est bon. La tétracristallisation, c'est vraiment puissant, surtout quand les attaques sont super efficaces! Oh, l'ampoule de fou! L'ADF! Et Solang quand même. Ça te dit qu'elle est cool. C'est Toby Fox celle-là? Merci The Warlinks pour les 9 mois, merci beaucoup. Alors, il progresse super vite! Merci. Merci Wattman33 pour le Prime, merci beaucoup. Ça alors, j'ai réussi à gagner alors que j'ai utilisé Terra Cristallisation. Ah mais mince, j'oubliais. Tu peux pas encore l'utiliser, toi. Je vais arranger ça, t'inquiète. Faut dire que t'es tellement fort que parfois j'oublie que t'es encore un débutant. D'ailleurs, tiens, pour te remercier de ce combat, je t'offre des rappels. Maintenant, on n'a plus qu'à passer cette porte et on sera à Messaledo, où se trouve notre école. Par contre, il y a pas mal de pentes et de marches à grimper dans la ville, c'est un peu galère. Hors de vent, d'accord? Je vais reprendre mon souffle ici, je te rejoindrai plus tard.
Molto bene. Ah, cinématique encore. Alors, oh putain, c'est dur quand même. Oh putain, c'est vraiment dur. Ah, c'est Mario Sunshine, hein. C'est un jeu GameCube, hein. C'est abusé en vrai. Et voilà, t'as vu, on est enfin arrivé. Voici Messaledo, la plus grande ville de Paldea. C'est aussi un pôle commercial depuis très longtemps. Beaucoup de gens viennent ici pour découvrir les dernières technologies et acquérir de nouvelles connaissances. Il y a un salon de coiffure. Un salon de quoi? Où tu peux changer de look. Et aussi un délicieux restaurant de tapas. Il y a un endroit qui t'intéresse en particulier? Évidemment. Alors comme ça, on est une fashion victim? Ou bien tu veux te couper les tifs pour qu'ils te dérangent moins en combat, c'est ça, hein? Et puisqu'on parle de combat, je vais faire en sorte que tu puisses utiliser la terre à cristallisation toi aussi. Il y a quelques démarches à faire pour ça, mais t'inquiète pas, je m'occupe de tout. T'as qu'à en profiter pour faire le tour de la ville en attendant. Tu verras, à vol coup d'œil. Tu peux aller au magasin de vêtements pour personnaliser ton apparence ou aller manger un bout au resto. Je te recommande tout particulièrement Réseau Cadoiseau. On y vend plein d'objets à faire tenir aux Pokémon en combat. Quand tu auras fini ta petite visite, rejoins-moi devant le portail de l'école. Par contre, t'as intérêt à préparer tes poumons parce qu'il y a un max de marches à monter. Amuse-toi bien et à tout à l'heure. Ah, ok. Ah, les personnages apparaissent. Rendez-vous à l'académie. Ici, on est à Messaledo, c'est la plus grande ville de Paldea. Oui, je suis au courant. T'as regardé. Oh là là, mais regardez. Ciao. Bah, salut. Non, pas les glaces, non. Non. C'est à la mode les lunettes en forme d'étoile. J'ai vu un groupe d'élèves emportés. Le Café des Flots, un établissement propice à la relaxation. Ah oui, d'accord. Par contre, ces illustrations sont très belles. Là, ce que vous voyez là, c'est très joli. À quoi ça sert, mais ok. Oh putain. Oh, t'as rien à dire, toi. À 800 balles le café, hein. Pas des prix parisiens, c'est pire, hein. Oh, archéodong est merveilleux. Parfois, il me laisse entrer sous son dos, mais c'est étrangement apaisant. Il fait dong, dong, dong ensuite. Je ressens la force de la terre. On va manger, c'est parfait. Ok. Oula. Je peux rentrer là-dedans? Mais le bâtiment... Le troquet à fond des plats... Oui, mais encore, ça va être des plats... voilà. Putain, mais il n'y a pas les intérieurs et tout. Ils ont vraiment fait aucun intérieur. Abusé. Moi, j'aimais bien les intérieurs dans Pokémon. Je me suis perdu. Je devrais peut-être utiliser la carte. Non. Pas la peine. Mais... Voilà. Oh, ça me fait du mal, vraiment. Enfin, je me dis, mais ils doivent tellement... Enfin... Ils doivent... Quoi, ils doivent...
mettre un an pour faire tout le jeu, quoi. Ils sont obligés, tu vois. Game Freak, ils sont obligés, ils ont pas le temps, quoi. Abusé, hein. Abusé. Non, je m'en bats les couilles. C'est abusé. C'est la première fois que ça me choque à ce point, quoi. J'ai acheté une vive griffe dans la boutique rouge, là. Quand un Pokémon en tient une, on peut parfois s'attendre à une bonne surprise. Ouais, on verra plus tard pour ces trucs-là. Hein. J'ai acheté un objet chez Réseau Cadoiseau et je l'ai donné à mon Parachis. Pachirizu, tu sais pourquoi? C'est parce que les Pokémon peuvent devenir plus forts en fonction de l'objet qu'ils portent. J'ai pas besoin de ces merdes. Qui veut en savoir plus sur la taille des Pokémon? Vous savez que parmi les Pokémon de la même espèce, on en trouve des plus ou moins grands? Regarde mes Pachirisu d'amour. Leur différence de taille saute aux yeux, non? Crois-moi, il me suffirait d'un coup d'œil pour te dire si tes Pokémon sont grands ou petits. Tiens, ça t'intéresserait que je compare la taille d'un de tes Pokémon aux autres spécimens de son espèce? Oui. D'accord, quel Pokémon veux-tu me montrer? J'en sais rien, moi. Gougou Gagak? Alors voyons voir où se situe Gougou Gagak! Il est parfaitement dans la norme. Mais ça a aussi son charme d'être comme tout le monde. Ok. Ouais, je m'en bats les couilles. Hein. Je mangerais bien un petit boulet. Est-ce qu'ils sont bien... Oui. La vue d'un centre Pokémon suffit à me rassurer. J'aime beaucoup la musique qu'il passe. Toujours la même depuis 20 ans. Une fois qu'on a visité un centre Pokémon, on peut y retourner à tout moment en taxi volant. Peut-être que je le visite du coup. Voilà. Oh, je m'en fous, je les soigne. Na 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 na. Merci Zibrux pour le Prime. Atomic Noodles, les 28 mois. DG Pinek. Merci pour les 3 mois. Snack 77. Les 21 mois. Mais j'ai déjà fait. Oui. J'étais déjà au courant. Les cours sont finis. Oh, c'est la grande place, là. Elles sont en coiffure, mais c'est les mêmes coiffures qu'on voit depuis le début, je suppose. Oh, tout ça n'est pas très intéressant. Oh, regardez comment elle avance. Oula ! Ah d'accord. Top ! Ah bah oui, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Allez. Rejoins la Team Star. Tu vas pas le regretter. Avec nous, tu brilleras au firmament. Bah, pourquoi tu dis rien? Tu veux pas profiter d'une vie stellaire avec nous? Ça m'est égal. Écoute, on doit recruter de nouveaux membres et on a un quota à tenir. Alors fais pas l'histoire et rejoins la Team Star. Mais je... Mais qu'est-ce que tu veux, toi? Tu vois pas qu'on est occupé? Si tu veux rejoindre nos rangs, attends ton tour. Ouais, un peu de respect, tu veux? Tu sais à qui t'as affaire? Tu sais qui on est? Mais tu te permets de nous interrompre? T'en as dans le ventre! T'as peut-être ce qu'il faut pour te faire une place dans la constellation de la Team Star. Moi, je dis, il mérite une bonne leçon. L'honneur de la Team Star est en jeu. Baston! J'aurais pas dit mieux. Garde un œil sur la bigleuse. Moi, je vais envoyer un nouveau voir les étoiles le plus près. Le nouveau. Le nouveau.
Et le nouveau... Let's go. Oh la dinguerie que c'était en tout cas. C'est dur la vie de star. Ah j'en sais quelque chose. Enfin, ça m'a beaucoup touché en vrai cette dernière réplique. C'est qui ce gars? Il est super fort. Il l'a battu? Impossible. Bon, plus le choix. C'est à mon tour de te montrer ce que vaut la Team Star. Je te préviens, j'ai plus d'expérience qu'elle. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh non, pas la déléguée! Il manquait plus qu'elle! Feur! Tu me déçois! Parce que j'ai voulu aider quelqu'un? Grognasse? D'où tu fais des combats Pokémon sans moi? Ça se fait pas! Attends, je vais t'expliquer! Ah bon? Dans ce cas, j'ai rien dit! Mais je comprends mieux maintenant. C'est encore un coup de la Team Star. Je vous ai pourtant dit d'arrêter de forcer les élèves à rejoindre votre groupe chelou. Pas la peine de vous inventer des excuses. J'ai déjà bien compris la situation. Normalement, mon rôle de délégué m'oblige à calmer les esprits, mais j'ai une meilleure idée. Feur, tu vas régler cette histoire grâce à l'objet super rare que je t'ai apporté. L'orbe Terra Crystal. Je le mets dans la poche des objets rares. Un orbe qui renferme le pouvoir de la cristallisation. Quand il est chargé d'énergie, il permet à un Pokémon de se terra-cristalliser. Avec cet orbe terra-cristal, tu peux terra-cristalliser un Pokémon en plein combat. D'ailleurs, je pense que ton coiffeton devrait se terra-cristalliser en type eau. Normalement, il faut suivre un cours particulier pour utiliser cet orbe. Mais j'ai pu tirer quelques ficelles pour te l'obtenir. Et si tu veux mon avis, ça prendra plus vite en te servant directement en situation réelle. Allez, baston! Quoi? Je vais servir de cobaye pour qu'il essaie la terra cristallisation? Tu préfères te battre contre moi, peut-être? En vrai, elle est beaucoup moins forte. Donc je pense que oui. Elle est vraiment moins forte que moi. Des deux combats qu'on a fait ensemble, je mène 2-0. Oula, non merci! Je préfère encore me battre contre le nouveau. Au moins, j'ai une chance de gagner. Dans ce cas, à vos marques. Prêt? Fightez! Ouais, enfin, bon, ouais. Fightez! Bon, bah, je vais utiliser la Terra Cristallisation, là. Dans la région de Paldea, un étrange phénomène permet aux Pokémon de se cristalliser, là. On appelle ça la Terra Cristallisation. Vous pouvez utiliser en appuyant sur le bouton Terra Cristallisation durant un combo. Là. Lorsqu'un Pokémon se Terra Cristallise, là, il prend un certain type Terra Crystal. Là. Les capacités du même type que ce type Terra Crystal là, deviennent plus puissantes qu'en temps normal. Après avoir Terra Cristallisé un Pokémon, il vous faudra soigner votre équipe dans un seul Pokémon. Eh oui, allez, c'est bon, je vais faire ça, d'accord. Et bah comment je fais? Ah! Eh bien, je vais utiliser Aqua Jet en Terra Cristallisation. À quoi va-t-il ressembler? Il aura une ampoule sur la tête aussi? Ah non. Mais c'est un bouffon! Il a un chapeau de bouffon! Oh, Gougou Gagak. Et Salamèche qui passe niveau 10. Joue à plein d'étoiles. Oh là là. Top.
Bien joué, Fur. T'as super bien géré la tétra-cristallisation, là. D'ailleurs, une astuce. Si tu utilises une capacité du même type que le type Terra-Crystal de ton Pokémon, elle infligera encore plus de dégâts. Certains Pokémon prennent un type qui n'a rien à voir avec celui qu'ils ont à l'origine. Autant te dire que ça t'offre tout un tas de stratégies en combat. Par contre, n'oublie pas de recharger ton orbe Terra-Crystal là en soignant tes Pokémon au centre Pokémon entre chaque utilisation, sinon tu ne pourras plus Terra-Crystalliser tes Pokémon. Bon bah, moi je m'en vais, hein. Hasta la vista. Moi aussi je vous laisse. Hasta la vista. Oh la punchline, pfff. La Team Star, c'est juste une bande de voyous. Ils viennent presque jamais en cours. Non, elle déconne, j'espère. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas vrai. Et ils font des courses sauvages en groupe. Et j'avoue, pourquoi elle me cligne de l'œil, là? Elle est borgne, n'est-ce pas? C'est quoi ce... Même les profs ne savent plus quoi faire d'eux. Judith, je voulais... Merci beaucoup. Je dois y aller. Salut. Fur, t'assures, continue comme ça et tu vas devenir le héros de l'école. J'ai peut-être d'autres ambitions, non? Il n'y a pas que l'école dans la vie. Ça me rend fou, cette histoire. J'ai jamais vu cette fille. Elle est peut-être nouvelle, elle aussi. En tout cas, je suis trop jalouse de son sac Evoli. Il a l'air tout doux. Bref, tout est bien qui finit bien, mais maintenant, il est temps de reprendre le chemin de l'école. Car on a un autre défi à relever. Celui de grimper les escaliers de l'enfer. Ouais. Fan de l'école, hein. En vrai, je ne serais pas essoufflé. Voilà. Parce que... Oula. Quoi? Il y a une râpe à fromage géante, là. Comment on fait? Comment je fais pour y aller? Toi aussi? Non mais je veux pas parler au Pokémon, putain! Je veux parler à lui! Mais putain, il me fait parler au Pokémon à chaque fois! Mais je m'en bats les couilles! Toi aussi, t'aimes te prélasser sur les toits, fais gaffe à pas tomber quand même! Non mais attends, c'est une dinguerie, hein. Oh, d'accord. Ah mais non! J'avais un truc là-bas! Oh! C'est passé. Ah, mais parce que j'ai mis un petit truc anti-chute, là. Remonter. Ah, mais je pouvais remonter. Ah, j'avais pas vu. Je saurai maintenant. C'est ouf. Ah oui? Oui. Le talent de Pachiritsu. Le talent de Pachiritsu, c'est fuite. Face à un Pokémon sauvage, il peut toujours s'enfuir. Super, ça. Je suis perdu dans la ville, là. Les échantillons. Non, mais je m'en bats. Allons réviser. Viens par ici. Ils sont tous fans d'école, hein, dans cette ville. Hein. Les escaliers de l'école, ils vont dire qu'ils sont super hauts, dis donc, c'est grimpe ici. Hein. Ils sont si longs qu'on les appelle les escaliers de l'enfer. Je plains les élèves qui doivent les emprunter tous les jours. Ouh là là. J'aime les Pokémon, j'adore les Pokémon. C'est réel. J'adore ça aussi, hein, si jamais. Alors attends, vas-y. Non ! Regardez le PNJ en bas. C'est très très chaud.
Crogivre, ça passe à Crogivre. Il y a quelque chose par ici? Non. Il y a absolument R. Je peux même pas monter sur ce touet. Merde. Non, là, non. Non, je remonte. Mais je suis... Oh non. Je me suis softlock. Ah non, c'est bon. Wow, wow. Oh la dinguerie. Non. Bouge. Merci à tous d'avoir regardé ce stream, messieurs, dames. C'était un plaisir. Merci à tous. Ok, très bien. Mais descends, putain! Allons réviser... Ouais, d'accord. Quelque chose par là, par du vide. J'explore. Hein. Ce jeu pousse vraiment à l'exploration, donc j'y vais à 100%. Merci Dr. Shadow pour le Prime. Madame m'a dit les 10 mois. Bah, c'était une dinguerie derrière le château, si vous voulez toute mon opinion. Si les gens vous demandent ce que je pense du jeu... Vous leur dites que j'ai trouvé que c'était une dinguerie derrière le château. Ah ! Merci. Oh ! C'est bien ça en plus. J'aime bien cette zik en vrai. C'est les Jeux Olympiques. Me voix angeleuse. Pas mal hein. Bon vas-y, on va monter hein. Mais moi normalement je me formalise pas des graphismes et tout. Pour moi c'est pas très important. Mais là, j'avoue que c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment la première fois où ça me choque un peu en vrai. Enfin, le mot est fort, hein, mais... Je suis vraiment abasourdi, quoi. Il paraît que tout le monde peut s'inscrire à l'académie, même quelqu'un de mon âge. Et si j'en profitais pour reprendre les études? Mais t'es jeune, non? Bah oui. Tu es jeune. Tu es plus vieille que moi, mais tu... Enfin, comme mon personnage, mais tu es jeune. Tu es certainement plus jeune que moi, IRL, je veux dire par là, bien sûr. La belle vue d'ici. En fait, l'architecture de la ville est pas mal, mais putain, mais vraiment, les textures et tout, c'est une cata. C'est dur d'être un enfant. Pas trop fatigué, mais non, ça va. T'as pas eu trop de mal à gravir les escaliers de l'enfer, ils ont une horrible réputation ici. Le petit remix là, très très chaud. Hein. Messaledo, comme son nom l'indique, est une ville dédiée à l'éducation et à la culture. Comme son nom ne l'indique pas, bien sûr. Les devoirs, c'est du sérieux. Pourquoi ne pas faire un petit passage une fois qu'on va ici? Parce qu'ils l'ont fait, pardon, excusez-moi. Merci à tous. C'est Poudlard, la Team Star. Moi, ils me font peur, les membres de la Team Star. On m'a dit que la Team Star faisait des courses nocturnes avec des voitures bizarres. Je commençais à être en bas. Je suis pas sûr que je vais pouvoir continuer le jeu en vrai. Enfin, genre, je suis pas sûr d'avoir déjà vu des antagonistes aussi badants dans l'histoire du JV. À l'école, il y a des tas de gens et des tas de Pokémon différents. Et toi aussi, tu fais partie de ces gens. Oh, le niveau intellectuel de cette école est quand même au plus bas. On ne va pas se mentir, messieurs, dames.
Bon, c'est de la merde. Oh non, il y a un truc là-bas. Vu. Soin ball. Ah, sympa ça. Je m'en servirai absolument jamais. Vas-y, qui est cool. Mais en vrai, la gueule du bâtiment est cool, mais c'est vraiment les textures où c'est vraiment... C'est ouf. Regardez l'intérieur, là. Enfin, c'est... Non, c'est un reflet. Non, c'est... on dirait un intérieur. Mais t'es mal, c'est... Let's go!